Previously on The Sonia Show. I'm coming for you. But tell the other brigades, I'm coming for them! For what they did to Lola! Sonia is in danger. Punches, the psycho is a taxi driver. My father is the minister of oil. I've even let my teen daughter embark on a road trip. Truth is, I'm never going back home again. Et bonjour! Alors que l'encodage commence déjà à faire des siennes, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Road 96. J'espère que vous allez bien. On a trouvé Zoé! On a trouvé la bro! Hey, over here! Help me! Bien sûr! Don't let them see you! The cops! They transferred me out of. You know where? Ouais, ouais. Must have found out where I was. Non mais attends, mais Get the van keys from the cops. But you'll need to. Mais attends. Mais comment ça? Somehow. Mais comment ça? Back here. Thank you. Ouvrir la portière, sauver Zoé, siphonner. Ok. 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 Très bien. Donc objectif sauver Zoé, sachant que comment ça son père l'a envoyé? Non mais attends, mais comment... Je peux pas tag. Je suis tag. T'as la voiture officielle en plus, ça aurait été trop stylé. D'accord. On a obtenu un jerrycan vide. Ça peut servir. Oh! Intéressant, un plan se forme. On peut pas crocheter. Un plan est en train de se former en tout cas dans ma tête. Déjà, hein. Déjà faisons ça. On va essayer de faire basculer, je vous le dis d'avance. Hein. On va essayer de faire basculer un peu la faveur la balance en faveur de Flores. Histoire de voir ce que ça peut proposer. Mais je vous avoue que je lui fais pas complètement confiance non plus, quoi. Ouais, alors juste les flics sont juste à côté. Je sais pas s'ils ont le droit de me voir ou pas. D'accord. 96 centimes. Non mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est John qui est là, l'émetteur radio des brigades? Sans déconner. Bon, vous pouvez ouvrir ça. Le refermer, on va le refermer. Ok. Oui. Un tuyau, une paille géante. Clé de boîtier téléphone. Tout un tas de trucs qui peuvent m'être utiles. Est-ce qu'ils en sont où, eux? attends. Parce que là, je peux faire quoi avec ça? Ouais, je peux pirater, mais ça fait quoi? Ce que je veux bien, mais. Ah, mais d'ailleurs, oui, tiens, ça, je peux fouiller la poubelle. Au secours. Bon bah. Ok. Rentrons là-dedans, bonjour. What do you want, kid? I most definitely am not. D'accord. Protesters. Wish there was some way we could just ship them out. Je pourrais acheter des allumettes. Intéressant. Ah, est-ce que je vais taguer dans le magasin? On en est peut-être pas là. Je peux acheter que des allumettes ici? Bon bah merci. Le truc c'est que je suis pas convaincu de mon plan là.
careful. Don't swallow any. Ah oui, d'accord. À la dure. Bon, déjà, étape 1, une fée. Allumer le feu. Après, l'étape 2, elle me paraît compliquée quand même. Je vais pas vous mytho. L'étape 2, elle me paraît un peu compliquée, là. Parce que l'étape 2, c'est quoi? C'est jeu... Alors, attendez. Étape 2, c'est jeu pirate. What the? What's going on? Hello? Does anyone copy? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Je ne sais pas. Where'd that kid get to? De quel kid il parle? That kid did this. He can't be far. I'll check behind the station. Oh putain. Il est où? Je suis mort. Il va faire le tour, je suis mort. Bad choice, hein. Il fait quoi? Il fait quoi? Il est où? Il est là. Qu'est-ce que tu fous, gros? T'es relou? T'es relou parce qu'il y a ton pote qui est juste là, quoi. Eh ouais. Je fais comment, moi? Ils sont marrants, eux, mais... C'est... Oh non, mais ça me plaît pas, ça. J'avoue que là, c'est le truc où ça me plaît pas, parce que je sais qu'il va falloir que je bouge. Genre, après, là, par contre, c'est pas trop logique, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que du coup, je me serais caché dans la maison. Ça serait passé. Sauf que, bah, du coup, pas de bol. Et voilà. Après, s'ils sont full con aussi, j'y peux rien. Mais maintenant que j'ai fait ça, je fais comment? Je fais quoi? C'est bien beau d'avoir fait ça, mais... J'ai pas les clés. Parce que j'ai pas de bouton pour m'accroupir. Je peux pas voler les... Je peux voler les clés comme ça? Ça paraît compliqué, hein. Tu sais pas comment je peux faire, moi? Je sais pas, moi. Non, mais attendez, parce que surtout, je fais comment, là? Parce que j'ai piraté le truc. Mais c'est quoi, la suite? Parce que le truc, c'est que là, je peux pas passer parce qu'il y a lui. Je vais être en plein dans son champ de vision. Est-ce qu'il les a pas sur lui? C'est pas trop des clés, c'est des menottes, ça. Parce qu'en fait, le problème que j'ai en plus, c'est que du coup, vu que j'ai un jerrycan d'essence sur moi, et des allumettes, on peut assez facilement deviner ce que je compte faire, quoi. Et l'autre, là, il est parti depuis une demi-heure, tu sais. Il va me choper direct, quoi. C'est pas drôle. Hein? Oui, non, mais... ça change rien. En fait, le truc, c'est que là, je comprends pas trop la phase, quoi. C'est-à-dire que... J'ai l'impression que je suis pas censé me faire choper. En même temps, il y a tous les signaux pour que je me fasse choper. Mais le jeu il a l'air qu'à moitié motivé, quoi. Le problème c'est que je sais pas où récupérer les clés, quoi. Donc alors on va tenter un truc, hein. On va tenter de faire le grand tour. En espérant de pas être dans le champ de vision de lui là. Mais Bah ouais mais... Bah ouais mais en même temps tu voulais que je... Ouais. Pas trop compris la phase là. En fait, j'aurais dû me cacher autre part, mais c'est un peu cruel, je trouve. Bon bah. I'll go back to my father. I'll get my dad to save you.
I'll say, I don't know what I'll say. Look, maybe you should rest. You'll feel better. Just try to get some sleep. And when you wake up, I'll know what to do. Yes. Okay? Bon bah désolé Zoé, hein. On t'aura pas sauvé. Et c'est retour à la case départ. Non, l'encodage, non. What the fuck? Oh, they're gone, but they'll be back, and with friends. Ah ouais. Lucky we intercepted their comms. Check the van. The girl must be inside. Oh, ça se recoupe. Please, don't hurt us. Got a second kid in here. The less you know, the better. Mm-hmm. But Zoe, you should come with us. Wait, how do you know my name? Did okay. my father send you? Ouais. We'll explain later, but right now, you and the kid have to split up. Bon. You risk your life for me. Yeah, maybe. Zoe, we have to go. I hope I get to see you again. Elle va se calmer la brouille. Aïe aïe aïe. Ah ouais, 74% Zoé. Hein. Ça sent Jarod ça. Par contre du coup, John c'est le... Papa Ours c'est le chef des brigades. Hein. Rien que ça. Ah ok, c'était l'homme, un des mecs les plus recherchés, il disait, mais... Moi je pensais qu'il avait genre participé vachement à l'attentat de 86 et depuis il s'était reculé, mais pas trop. Hein. Pas trop en fait. Hein. Ok. Ouais ouais, personne n'est censé être ici. Ouais, bah, ouais. Ça c'est la zone de Jarod, ça c'est sûr. Hein. Bon bah, adieu Zoé. On te reverra pas. Hein. Je pense que là, c'est compromis. On va le voir en plus arriver en vieux screamer là. Oh, il faut que j'apprenne à crocheter. Oui, 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 mon karma, oui. Ça me plaît pas parce que... Je sais pas sur qui je vais tomber. Une canne à pêche. Encore. C'est fini. Ouais. Putain, mais on va nous quelqu'un qui va nous tomber dessus. Allez. Crazy talk, Mitch. Now shh. It's almost time for the Sonia show. I wonder what she's gonna wear today. Me too. That pink number, maybe. Oh, les bros. Bon, ça va tomber quand on va traverser. Ah, ils vont nous. That's not the creep after Sonia, is it? Ah non. Nope. Kane ain't nothing but a hitchhiker. Tie him up. Oh. Oh. Told you he wasn't dead. You were right. Guess I owe you 5 big ones. I don't have it on me right now. But I will as soon as we rob the kid. This is standing eyes. Ouais, attendez. Ils veulent nous faire les poches, mais... Shut up, Mitch. Give us all your money, kid. Now. Yeah, all your money.
Voilà. In case you didn't notice, we're the ones giving the orders. Maybe I'll have to show him the beast. Whoa, you hear that? The beast. Now search him, Mitch. Moi j'ai dit ok, hein. Calmez-vous. Hein. Well, looky here. Ouais. What are we talking about? Not enough to quit the game, Stan. No amount could ever make us quit the game, Mitch. It'd be nice to rob someone actually rich once. Sure would, Stan. Mitch, this kid is starting to hurt my ears. Show him the beast. With pleasure. Vraiment? Ah, elles sont pas si sympas que ça, hein. Now come on, we got work to do on our investigation. Sweet Sonia's life hangs in a balance. Bon bah super. Feel like I'm going crazy, Mitch. Yeah, me too. And if we don't crack this suit, it'll be too late. Quiet, little buddy. Do I have to show you the beast again? Yeah, shut your trap. Let the grown-ups think in peace. Kid, someone wants to end Sonia's life. The famous reporter? Yeah, we doubt that you could help us. hell, Mitch. Maybe I'm crazy, but maybe he can help. Yeah, I mean, what do we have to lose here? Pick him up. We'll make you a deal, kid. Help us, and you'll get your money back. So we're trying to find out when the killer's gonna attack. We know what he looks like. Yeah, he's terrifying. We got some of his letters and things right here. When he's gonna attack is somewhere in them. We just know it is. Okay. Eh bien, on va les aider finalement. Vous avez pas une cassette? Attendez, je visite. Hein. Pas souvent qu'on peut aller chez Stan et Mitch. Non, 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 j'abandonne pas. Today marks the anniversary of Lola's death. In exactly 2 years, I will take my revenge. Do we know when that was recorded, Stan? Yeah, sometime in 1994. Bon, elle a eu 6 juin en 79. Très bien. So, we know the girl's birthday. Ah oui, je pensais l'anniversaire de la mort, mais du coup, non. Donc on a dit le 6, hein. Ouais. Entrez la date. Validez la date. Quoi, June? That don't look right. Try again. Hein? Mais... Ah oui, non, mais non, mais putain, et en plus je le dis, il me semblait que c'est l'anniversaire de la mort, et oui, hein. Heureusement qu'ils sont pas si cons. Hein. Et en fait, la map, c'est vrai qu'au plus je regardais, au plus le haut me fait penser au haut de la France. If anything happens to sweet Sonia, I might just go crazy! Cher Lola, aujourd'hui tu aurais 23 ans. Il paraît que le temps guérit les blessures, mais il ne fait que raviver les miennes. Cependant, j'ai finalement décidé que ton anniversaire ne devrait pas être un jour de mort. Quand même, il le mérite. Aujourd'hui, il restera le jour de la naissance de ma bébé chérie, et rien d'autre. Ça ne laisse qu'une autre date pour ma revanche. Le jour où, 10 ans plus tôt, tu croyais que tout changerait. Tout a changé, mais pas comme tu l'espérais. Ton père. That guy's seriously disturbed, Stan. 16 février 1994. Les jours se suivent et se ressemblent, et soudain, un moment de clarté. J'ai encore changé d'avis. Je sais quel jour j'agirai. Il ne reste plus qu'à trouver le lieu. Mais... D'accord, en fait, c'est juste que les jours se suivent et se ressemblent. Ça dure beaucoup plus longtemps dans la version anglaise. Ok. Il avait cette lettre dans son journal. Je pense que sa fille était fan de reptiliens. 5 septembre 1986. Cher papa, Monsieur Winters m'a dit n'en parler à personne. Mais je dois quand même te prévenir. Nous partons demain pour mettre le plan en place. Et dans 4 jours, tout va changer. Le 9 septembre, d'accord. Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai rejoint les brigades, je te le promets. Je t'aime, Lola. Donc le 9 juin. Le 9 septembre. Oh, that's it. It all makes sense now. You're a genius. Hey, hey.
deepest apologies. I showed you the beast earlier. I don't know what I was thinking. We know what the guy looks like. But we still don't know where the attack will take place. Here's your cash, kid. It's best to honor one's promises. Stan and Mitch rule. Voilà. On a pu récupérer notre argent. Bon, on n'a pas encore le lieu, mais... The ladder, near the TV. Just climb it. Now get. Ok. Merci. Merci, les bros. But, Before you go, maybe you want to ask us something? Seems that way, don't it? Frightening. Determined little guy, aren't you? Allez, on monte. Tranquillement. Alors que le ciel est beau. Bon bah finalement tout va bien, moi qui avais peur. Un ticket gagnant, 5$. Vu de la richesse. Ah, je peux pas aller là. Dommage, je peux pas prendre la moto. Je peux pas leur voler leur moto. D'accord. C'est vrai qu'il l'avait pas fait. Tiens, bon, on va se reposer. Profitons-en pour se reposer. Hein. Comme ça, on récupère de la vie. Ah, donc attendez, 9 juillet. Et lui, il compte mettre son plan en place le 9 septembre. Donc, il compte mettre ça en place avant les élections. Et donc, avant la fin du jeu. Ouais, une cassette. Dance Machine. Bon, on va pas appeler le taxi fou, hein. On n'est pas des oufs. Est-ce qu'on prendrait pas le bus? On pourrait peut-être prendre le bus. Ouais, on va acheter un billet de bus. Allez. Déjà, ça c'est gratuit. Oh, hey my homie. Bonjour. You're wondering what I'm doing? Just hacking into Super Supper to give everyone in Petria a free burger. Oh nice. Capitalist pigs need to spread a little wealth around. What about you? I figured you were trying to leave this despotic dump. Good luck with that, my man. Well, guess I'll get back to hacking this burger megacorp. You should take a snooze on that gnarly pillow behind you. Gonna need energy for the road. Totally, dog. Never seen anything like it in all my 14 years. How do they make you feel? Yeah. Could go either way, I guess. Politics are hyper complicated. Alex, you there? I'm here. There's a receiver inside. Not bad, right? Built it myself. Is it safe, Alex? Totally safe, Mr. Ursus. Like always. He's a friend. I'm helping him in his... club. In exchange for info. Info on my bio parents. They were in his... club, too. I'm about to switch on the... you know what, Alex. And I need to know if there are any... you know what, in the area. Look, I'm gonna level with you. Maybe it's stupid to do so, but I feel like I can. Mr. Ursus has an illegal radio, and he wants me to check on the cops to see where they are. I heard that, Alex. Ain't gonna lie, it has its benefits. Sorry, Mr. U, can't help you today. Too busy trying to make it rain beef.
No worries, because... homie here on the bus can. Don't worry, my man. It's simple. Even an adult could do it. Go ahead. Turn the scanner on. Whoops! Total cerebral flatulence. Forgot the bats. Here. Just gotta put them in the right way. No sweat. Now, we gotta check the amplifiers. Open that mofo and flip the switches. Nice! We need to listen far, so we'll activate just about all of the amplifiers. We need exactly 8 volts to pick up the police radio. That's what I'm talking about. We ready to scan. Turn the dials till you hear something. Signal meters need to be very bright. By the way, when are you gonna tell me more about my parents? Yo, you're picking something up. Unit 8, you copy? Over. Unit 8 here, camped outside the gas station. Nada for now. Over. Keep looking. You got donuts? Over. Coast is clear, Mr. Yu. They're still at the old spot. Broadcast away. Thanks, eh? And, homie, Misade, and Alex, make sure you reach out to your mom, okay? I'm sure she misses you. Sure, whatever. Thanks, Home Slice. Here, for your help. Ça fera plaisir à Zoé. Time to give the citizens of Petria free beef! And boom! Oh no! Trojan horse is down! Well, at least 347 people got free burgers. I can live with that. Next up coming up. Oh well. This is where I get off. Stay fresh, dog. And good luck out there. C'est genre Rod qui a volé le P. Bon, bah très bien. Ah. Je connais ça, c'est un truc à taguer. Ok. Est-ce qu'on continue? Je sais pas trop. Allez, on va juste continuer encore un peu. Allez, on va faire ce tableau là. Ensuite, on s'arrête. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Quel personnage on va rencontrer? C'est ça qui me fait peur. Chambre en rénovation. Ah ouais. À la chambre 007. Une vraie chambre d'espion. Hein. Ça joue au qui est et tout. Hein. C'est même bizarre qu'on puisse voir cette chambre-là en particulier. Honnêtement, oh, une clé. Est-ce que ce serait la clé de la chambre 007? Non. On va avoir un vieux Jarod qui va sortir. Donc il n'y a pas son taxi. S'il n'y a pas son taxi, c'est qu'on est safe. Ok, bon, il n'y a rien l'air d'avoir... Je sais pas trop à quoi peut servir la clé, du coup.
mais on va vite le savoir, je pense. Can I help you? Ouais. She's back. Hein? Just act cool, okay? Oh non, Sonia. C'est elle. Sorry to interrupt. Ah merde. Mind if I have a word with you, bon, kid? C'est pas elle. Hein? I'll explain everything in my room. Hein? How is it looking, Fanny? Almost ready. A stab in the dark here. But have you seen anything suspicious lately? Any vehicle you think may be transporting an illegal transmitter? Ah, non. Hey, Fanny, let's get this show on the road. Look, I believe the person moving the transmitter frequents this motel. In fact, I think he or she was here last Sunday. Uh-huh. Good question. The guests here don't talk to cops. Truth is, I think some of them are brigades. Ah mais oui, mais cet émetteur-là, je pensais qu'il parlait de l'émetteur de son propre fiston. I don't know exactly. Maybe the clerk back there. To be transparent with you, the brigades tried to kill me not long ago. And I'd really like to bust up their comms. Look, there's a little money in it for you if you... Ah. I know you could use it. Now, come on. Ah. Everything you need is on the wall. Take it. Ah, bah tout de suite, tu me parles dans mon langage, là. C'est bon, si t'as de l'argent ou de la bouffe, moi je prends, hein, c'est bon. Tout ce dont j'ai besoin est sur contre le mur. T'es gentil toi, mais yes. Ah oui. Here's how it's gonna work. Those are sketches of the perp we think is moving the transmitter. Mm-hmm. Talk to the guests and scribble out the ones that don't match. Come back when you've narrowed them down. Got it? Ouais. Got any more questions before we begin? Anything at all? They don't bother me unless it gets violent. Okay, let's get going. Bon, je vais pas répondre ça, mais c'est pas grave. Pas très grave en soi. Ça, c'est normalement, c'est censé être vide, ouais. Ça va être à moi de... Hein? Ah ouais, d'accord. Non mais... Ah ouais, ah bah on va se mettre bien. Hein. Visiblement on va se mettre bien. Hein. Ah. Cher Bess, si tu lis ceci, c'est que j'ai disparu et que tu as trouvé ma pièce secrète. Attention, un homme étrange, enchaînant cigarette sur cigarette, me suit depuis un moment. Et c'est certainement de son fait si j'ai disparu. Je sais pas ce qu'il veut, et je crois qu'il est très dangereux. Ne le laisse pas voir cette pièce. Ton père qui t'aime. Ça, c'est Jarod. Super. Bah pourquoi tu voulais pas qu'il voit cette pièce? Oh non, les gens parlent. Tiens. Alors. Bon bah, visiblement, y'a personne. What can I do for you? I was, yes. Yes. I remember him well, in fact. Oh. He was handsome. Uh-huh. A big man with short hair. Large hands. Strong hands. Uh-huh. You don't have his number, do you? No. Quoi? Je veux cours. Hein? Non, là en fait je barre tous ceux qui n'ont pas de cheveux. D'accord. Donc il avait des cheveux courts, donc c'est un de ceux-là. Non mais on sait qui c'est. I'll be here tomorrow if you find that number. En vrai, on sait qui c'est, le papa ours avec l'émetteur, en fait. Yeah, just a sec.
Took your sweet time. Hey, ouais. Salad? J'ai pas votre salade. Then who does? Bon, voilà. Oh yeah, I tried avoiding him. Ah. He was the same age as me, and I don't consider myself old. Uh-huh. You don't think I'm old, do you? That hurts. Voilà. C'est un adulte. Well, guess I'll keep waiting. Go Flores. Ouais. Coming. Feeling a little down? I can help with that. I was, yeah. Why? Let me think. Yeah, there was a guy. I didn't talk to him. Seemed like he wasn't the kind for chit-chat. Mm-hmm. Oh, had a squarish face, real macho. Know what I mean? Ouais. There. Does that help? Ouais. Mais on va... Ouais. En fait, le problème, c'est que là, on est en train de complètement le vendre, notre papa ours. Après, papa ours, c'est le crush de Fanny, Elle va pas lui faire ça. Ah salut, t'étais là dimanche? I know everyone around here, but I don't know you. I'm here voilà. Every day. This palace is my home. D'accord. Big guy. Had a beard too, but I didn't talk to him. Mm-hmm. Does that help you? We almost got that bastard on the stage is what? In front of that stupid wall. And this idea that the BBs were behind it all, nonsense. Hope you find your dad, kid. Ouais. Bah du coup on est bon, hein. I think it's your husband. Shut up! He's gonna hear us! We should never have done this. C'est un peu trop tard pour y penser, hein. Mais bon. Oui, non, mais inspecter les portraits. Bah ouais, ils nous m'ont. Oui, on a trouvé, c'est Papa Ours. Oh bah elle est partie là. Elle est partie là, demoiselle. Bon. Ah bah t'es là. D'accord. Voilà. Are you sure you want to do this? Maybe you shouldn't get involved. These people aren't as bad as they say. I am, yes. And the person you're looking for, I know him. He's a good man. Don't do this, please. Alter your results. She'll never know. You're doing a good thing, kid. Believe me. En fait, crush ou pas, le truc c'est que. Enfin. C'est peut-être pas comme ça qu'elle doit l'apprendre, quoi. S'il doit. Voilà. Hein. Donc, désolé, Fanny, hein, mais. Get him here, quick. Ah bah, désolé. Is it joke, Peach Fuzz? Comment ça? You crossed out every single sketch. Ouais, si j'étais intelligent. Yeah. Just a matter of time, Peach Fuzz. Bon. Ex-mom. Putain. Oh, le coup dur quoi. Ex-mom. I just sold the game I made. That's wonderful, baby. You're still being careful out there, right? Ouais, bon, il serait intervenu si jamais il y avait eu un souci quoi. Sorry. So, how is your search going? Ah ouais, ça aurait pu très mal tourner. Oh, really well. Yeah, I'm finding out a lot about my bio parents. They were really impressive people. Smart, kind. I think I'm a lot like them. Oh, well, I'm glad to hear it. You are smart and kind. Look, I gotta go. I'll call you soon, okay? Take care of yourself, honey. I will. Bye. Bye. What was all that racket?
people ever get any R&R in places like this is beyond me. Well, thanks for your help, but I gotta clean up here. Say, have I seen you someplace before? Anyway, take this. It's not a lot, but you deserve it. For your help. Merci Fanny, trop sympa. Bon alors, en vrai, c'est vrai que de base, j'aurais jamais choisi de lui mentir, mais... Mais là, vu que je suis dans un RP, je me permets, hein. Mais c'est vrai que bon, techniquement, je suis plus partisan de dire la vérité, mais... Mais là, en l'occurrence, bon... voilà... Après tout, hein... Non, en fait, surtout pour essayer de laisser une chance à la relation papa-ours, Fanny. Pour voir ce que ça peut donner. J'aime pas le titre du truc. Ultimatum. Ah, c'est... C'est cette musique, justement, Super. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Hein, pour cet épisode. Que va-t-il se passer? Jarod va-t-il nous choper? Très certainement. Hein. J'imagine que Jarod ne va pas tarder à se montrer. Mais en attendant, c'était Blue. Prenez soin de vous. Bye bye. They could be dangerous.